J'aime travailler sur ce qui nous submerge, ce qui nous dépasse. J'aime considérer la danse comme un endroit frontière entre le contrôle et l'abandon. Et j'aime que les danseurs lâchent prise en général. Je pense que de voir des danseurs qui sont pris par une force qui les dépasse, il y a quelque chose d'assez émouvant. J'aime l'idée que ça les réunit dans quelque chose. Et puis ce qui me touche aussi beaucoup, c'est l'altérité qui se développe dessus aussi. Donc il y a une vraie exploration de la vulnérabilité, d'essayer de remonter vraiment le corps comme dans son plus simple appareil, de voir à quel point le corps est une machine anti-gravité. Ce que j'aime avec Skid, c'est que ça met tous les danseurs au même niveau. Quoi qu'ils aient comme expérience, comme virtuosité, ils sont obligés de déconstruire leur technique pour se reconstruire dans cette nouvelle donne. Donc c'est un peu comme marcher sur une autre planète. Ukiyo-e est un titre qui en japonais en fait veut dire image d'un monde flottant. Le point commun entre les deux spectacles, c'est le rapport de monter ou descendre. C'est basé sur un rituel justement qui se passe au Japon où des jeunes hommes doivent, avec un tronc, descendre une montagne, et c'est très dangereux, et c'est cette descente, cette prise de risque qui est là chez la pièce de Damien. Et donc de faire ce dialogue avec lui, c'est vraiment un bonheur.